à côté des différents ports de pêche. Tout ce qui est poisson est évidemment bien local. Les usines agroalimentaires sont très implantées au niveau Bretagne aussi. Donc l'activité principale, c'est la conserverie de poissons, principalement sur les sardines et le maquereau. On respecte le processus de normes à l'ancienne lors de l'emboîtage des sardines. Et c'est un process d'étripage, de saumurage, friture et d'emboîtage à la main. Et on est sur des sardines beaucoup plus qualitatives. Le jour de l'usine ouverte, on veut valoriser le savoir-faire local et on veut valoriser tout le process manuel, ainsi que le sertissage qui permet donc de fermer la boîte de conserve et de garder l'étanchéité du produit. Ce qui me plaît, ce qui m'anime dans ce métier, c'est le management des équipes et d'être proche du produit. On travaille aussi avec des pêcheurs locaux, donc on garde ce côté très local, même si on appartient au groupe agro-mousquetaire. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de rester sur de la matière, sur un travail très opérationnel et collaboratif. Ici, il y a un bon savoir-faire et il mérite d'être connu. Et cette visite permettra aux consommateurs d'être rassurés sur ce qu'ils ont dans leur boîte et de comprendre mieux comment est-ce que cette sardine pêchée arrive dans leur boîte.